Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo morning routine où je vais vraiment vous montrer tout ce que je fais à partir du moment où je me réveille le matin jusqu'à que je parte de chez moi. Donc la première chose que je fais comme tout le monde, c'est que je regarde mes notifications, mes messages, je réponds un petit peu à tout le monde, je vais sur Instagram. Et ensuite j'essaye de me motiver vraiment pour me lever, j'essaye de me réveiller vers 8h tous les jours. Et je fais toujours mon lit, ça m'aide énormément. Parce que au moins quand je monte dans ma chambre, j'ai pas envie de me mettre dans mon lit, de rien faire et de traîner. Donc ça m'aide vraiment et j'ai toujours l'impression que c'est propre en faisant ça, donc c'est vraiment cool. Ensuite je descends, vous avez vu, j'ai une manière de descendre mes escaliers qui est assez particulière, mais ils sont un peu compliqués. Et la première chose vraiment que je fais quand je descends, c'est que je prends mes compléments alimentaires. Donc il faut les prendre à jeun, c'est mieux assimilé par le corps, donc c'est ce que je fais tous les matins. Ça me prend du temps parce qu'il y a énormément de gélules, je pense que vous avez vu. J'ai 16 gélules à prendre le matin, donc c'est un petit peu beaucoup. Je prends de la chlorella et de la spiruline, avec aussi de la vitamine C pour une meilleure absorption du fer. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur tous mes compléments alimentaires et tout ce que je prends, parce que là c'est une petite partie. Je pourrais vous faire ça si vous le souhaitez. Et donc je prends deux par deux les gélules, donc ça me prend 150 ans et je bois au moins un petit peu d'eau le matin parce que c'est vrai que j'ai du mal à le faire. Ensuite, ce que je fais vraiment tous les matins, j'essaye de le faire un maximum, c'est du sport. Donc je me mets en tenue de sport, pour ceux qui veulent savoir, elle vient de chez New Balance, ça se voit, c'est écrit en gros. Et je fais du sport, donc en règle générale, je fais 30 minutes de sport. Vous pouvez retrouver ma routine sport sur ma chaîne, j'ai fait une routine bas du corps et une routine abdos. Et donc ça j'essaye vraiment de le faire le matin parce que si je le fais très tôt, en fait ça me donne vraiment beaucoup d'énergie et ça me motive pour ma journée. Et le soir en rentrant je suis tellement fatiguée que j'ai pas le courage et comme souvent je rentre tard, j'ai vraiment envie de faire autre chose que du sport et plutôt profiter de ma soirée. Ensuite, directement après mon sport, donc avant de prendre ma douche, je vais venir me préparer un petit déjeuner. Donc pour ça, en fait, je vais faire un smoothie bowl. Donc je vais mettre des fruits rouges avec du lait d'amande, une pomme, des protéines. Alors là, c'était les protéines de chez MyProtein, c'était les véganes. J'avais déjà essayé de les boire dans un shaker avec du lait d'amande et je les trouvais vraiment trop dégueu. Donc j'ai arrêté de les boire et là je m'étais dit aujourd'hui je vais tester dans un smoothie parce que je l'ai jamais fait et c'est toujours aussi dégueu, donc je pense que je vais carrément arrêter de les prendre parce que j'aime pas du tout, vraiment c'est un goût bizarre. Sinon normalement je mets de la protéine de chanvre dans mes smoothies et ça marche plutôt bien, j'aime beaucoup. Et donc ensuite je vais mettre mon smoothie dans un bol, alors en mettant évidemment de partout. Et je prends en fait l'autre moitié de la pomme dont je me suis servie pour mon smoothie. Et je la mets en petits morceaux parce que j'aime bien avoir un petit fruit en morceaux le matin. Donc dans mon smoothie, n'hésitez pas à le faire un petit peu plus épais, là je l'avais fait vraiment liquide mais c'est mieux quand c'est épais. Et ensuite j'ai mis un mélange de noix que j'ai acheté sur Amazon qui est vraiment pas mal. Et j'ajoute des graines de chia directement dessus. C'est plein de protéines, c'est très bien quand vous venez de faire du sport. Et donc voilà pour mon petit déjeuner, j'adore me faire ça. Et si jamais j'ai pas envie d'un smoothie bowl, dans tous les cas je me fais quand même un smoothie avec un fruit. J'aime bien aussi rajouter du beurre de cacahuète à l'intérieur, c'est super bon comme mélange avec tout le reste. Et là c'est le moment où je prends mon petit déjeuner tranquille, où je regarde une série ou une vidéo sur YouTube. J'aime bien faire ça le matin et ensuite une fois que j'ai terminé je vais vite à la douche pour commencer ma journée. Donc là c'était pas un jour où je me lavais les cheveux mais
si jamais je dois me les laver, je me les lave le matin aussi. Et donc ensuite je me suis changée et là j'avais vraiment la tête de la sortie de douche, c'était magnifique. Et là c'est le moment de maquiller. Donc cette robe vient de chez Zara, je l'ai achetée à Londres pour celles que ça intéresse, parce que je sais qu'on me l'a vraiment pas mal demandé sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une routine make-up sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, parce que là je vous explique pas vraiment toutes les étapes de mon make-up. Donc voilà pour ma routine du matin, j'ajoute un petit peu de gloss, je me brosse les cheveux, je mets quelques bijoux et c'est tout, je suis prête à partir. Donc là en règle générale il est environ 11h et 10h, 11h, ça dépend du temps que je prends à me préparer. Et ensuite je vais travailler, donc je vais soit aller maquiller, soit travailler pour YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!